Je pense que c'est un film qui va être un film pour les enfants et aussi qui va être un film pour les adultes. C'est un film qui est sur le courage, comme beaucoup de contes pour tous, mais il y a une profondeur dans les thèmes abordés, dans l'humanité des personnages, qui est très grande. Et je pense qu'il y a beaucoup d'humour dedans. Je pense que c'est un bon film, que vous allez bien aimer ça. Quel ton tu prends dans un film pour enfants quand tu joues un personnage qui est alcoolique et qui est entre deux vins pendant tout le long du film? Pour moi, c'est vraiment un questionnement important. Et avec Jean Baudry, on a fait le tour de cette question-là. Et pour Jean, l'alcoolisme de Jérémy, il y a une seule scène où il est vraiment ivre, mais le restant, il est toujours en deux verres. Je vais te le dire, mon petit Nicolas, t'es assez vieux pour comprendre, là. La mort de ton enfant, là, c'est la pire affaire qui peut arriver. On s'en sort jamais. Faut jamais dire jamais, grand-papa. Je suis vraiment tombé en amour avec ce petit gars-là. Avec le personnage de Nicolas qui est André et Casper. C'est quelqu'un qui est vraiment très présent. C'est vraiment... Je pense que le public va tomber en amour avec ce personnage-là. Le courage, la détermination, la persévérance, l'intelligence, la beauté, la lumière de cet enfant-là, c'est magnifique. Et le talent d'acteur m'a bouleversé. Il y a des moments où vraiment il m'a eu complètement. Je te remercie parce qu'il y a des réactions vives que j'ai eues qui venaient de son jeu à lui, de sa force à lui, de sa présence vraiment très forte. C'était vraiment un grand plaisir, c'était vraiment très agréable, très bien. Mais avec tous les enfants d'ailleurs, les enfants, ils n'ont pas de calcul dans leur jeu. C'est sûr qu'ils sont préparés. Alors, Félix Ross, les gens qui ont préparé les scènes avec les acteurs, avec les enfants, mais ils jouent. Les enfants jouent plus naturellement que les adultes. Nous, on arrête de dessiner, on arrête de travailler. Tandis qu'eux, ils ont encore le sens de ce jeu-là et ils ont un sérieux incroyable, ils ont une concentration magnifique, mais ils demeurent quand même dans un niveau de jeu qui est excitant pour un vieil acteur.